Voilà, personne n'a de questions ? Est-ce que je peux prendre la parole ? Je vous en prie. Parce que vous dites que vous ne connaissez pas les gens, mais les gens ne se connaissent pas tous. D'accord. Donc, je vais, donc avec Patricia, donc elle est désolée de ne pas être là aujourd'hui, puisqu'elle elle devait être avec vous, Patricia Salin, mais elle a un enterrement à Saint-Dié. Donc, le beau-père du président de la Légion, donc est enterré à Saint-Dié en Belgique. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Donc vous êtes là, donc on a choisi 24, pas 12, puisque c'est pas court. Donc on a choisi 12. Alors le choix est complètement subjectif, c'est un choix sentimental que l'on a fait. Donc c'est des gens de la rive droite qu'on aime bien, des gens qui participent au dynamisme de la rive droite. Donc c'est le choix donc, qui a été fait, on nous aime bien. Mais il y a des gens qu'on aurait pu inviter qu'on n'a pas fait. Voilà. Donc ils sont pas tous dans la rive droite, qui travaillent pour la rive droite. Donc, voilà, donc Madame Lozac, Françoise et son époux, donc ils sont CPE au collège des Quatre Moulins. Bonjour. Madame Lozac, vous avez un petit peu et je trouve que cette femme est extraordinaire qui a pris ce collège, là, c'est formidable. Merci. Philippe et Valérie, donc ils sont des agriculteurs bio de. On les retrouve partout, ils sont extraordinaires, ils donnent toute leur vie à leur cause, c'est formidable. Tout le monde les connaît, vous pouvez aller chercher vos paniers bio quand vous voulez. Mireille et Julie sont avec. Je suis là, je filme. Donc la rue Saint-Malo, après que je vous présente, ce qu'elles font toutes les deux et leur équipe là sur la rue Saint-Malo. C'est extra aussi, et j'aime bien, je l'ai dit dès le début, dès que je suis arrivé, j'ai dit à Mireille, j'aime bien ce que Christine et son époux, donc Christine travaillait au Canemoulin, elle va travailler à Saint-Pierre, et donc je suis content qu'elle soit là aussi, c'est quelqu'un qui a le sens du service public. Et lui aussi, travaille à la bibliothèque. Guy Fissin, donc vice-président du conseil de quartier, tout le monde le connaît, donc. Commandant, il y a un autre commandant encore. Bon. Qui a pris sa carrière et son fils qui est là. Comment, ton prénom ? Philippe. Linda Lebat, donc tout ce qui est rue sociale, enfin bon, et puis elle a une pêche et elle fait des sardines extra. Alors, toutes les recettes du Maghreb, vous allez lui demander les gâteaux, les machins, et c'est vraiment la mama de la maison. Linda, Marie-Pierre et son fils, tout à l'heure, Freddy. Donc Marie-Pierre, la nouvelle conseillère municipale qui a été présidente du conseil d'administration du centre social de Kerorien pendant des années. Les autres ont du mal à trouver leur place, c'est difficile. Donc elle est conseillère municipale, chercher des personnes âgées. Jean et Marité, on la connaît. Et Jean et Marité, donc elles sont maintenant donc son homologue sur Saint-Pierre, Anne Ili. Attention quand on commence à Ili. Oui, ça passe mal au téléphone. Anne Ili. Voilà, donc c'est un choix qui a été fait, je crois qu'on a fait un bon choix. Donc Anne et puis son époux qui s'appelle comment ? Joseph. Jean-Luc, et ça passe. L'école Vauban. Je trouve qu'ils méritaient ça parce qu'ils ont le boulot qu'ils ont là-bas à l'école Vauban. Donc c'est un quartier qui a. On a hâte d'avoir un peu de mixité sociale dans leur école, donc ils font un travail extraordinaire aussi, qui est très très difficile. Jean-Luc et Marie-Agnès, donc qui a été conseillère municipale pendant très longtemps, et puis Bernard, des gens, fait partie de la bande des carreaux de Kerango. Alors ceux-là, vous les trouvez partout, dès qu'il y a besoin de quelque chose, ils sont toujours disponibles, le parent de Kerango. Donc ils sont représentatifs du quartier. Puis Gabi, fonctionnaire. Et Gabi, alors donc elle travaille au service urbanisme et elle a beaucoup de dossiers qui concernent la rive droite et elle est toujours disponible pour faire les réunions
même tard le soir, elle est toujours là, toujours disponible. Et puis j'aime bien des gens comme ça parce que quand on leur pose un problème, ils cherchent toujours à le résoudre, ils sont pas là à ramener le problème. On va s'arranger, on va faire comme Marie-Lé. On cherche toujours, t'inquiète pas, on va voir. Voilà. Travailler avec des gens comme ça, c'est ça. J'ai fait le tour. Alors on peut aller. Ouais. Si vous voulez bien vous mettre sur le tribord de ce côté. Ah, tu peux aller chercher, parce que le sac est tout à fait. Ouais. Voilà. Ah bah oui, remarque, ouais. Tu le mets, tu le vois. Bon, et pas tous devant, ils ont dit.